chose. Dans la monnaie vidéo, là, il y a voilà. Voilà. C'est un faux. Un faux. Donc, il y a à qualifier maintenant ma curiosité. À qualifier, c'est une diffamation. Mais est-ce que Moli Moté Moli Moté, parce que l'État, il y a Moli Moté. L'État, il y a Moli Moté. C'est la crédibilité, la personnalité de quelqu'un qui ont diffamé. Mais ça, le quoi, il y a un faux journaliste, hein. Je dois te montrer des preuves. Ok, ma maman, là, petit frère, Nangaï, Ayati, pour qu'il y ait une chaîne, la télévision, maman, on a un Olive, il y a une église, il y a une église, il y a sœur Dorian, avant d'avoir une église, pour avoir une église, la prière, Nangaï. Donc, il y a, tu vois, tout ce qu'il est en train de dire là, ce sont des spéculations. Comment un homme de Dieu de son niveau, il peut vivre avec des spéculations? Mais c'est un grand prophète. Non. Monsieur Jérémy Luemba. Bien vivant, les églises sont menées. Monsieur Jérémy Luemba, on ne peut pas vivre par des spéculations. Moni, moi, je dois vérifier, tamiser l'information. Parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux n'est pas forcément. Ces gens-là seront poursuivis parce que j'ai d'abord été arrêté arbitrairement, sans mandat d'amener, sans plaignant, sans convocation. En fait, deuxièmement, il y a présomption d'innocence. D'abord, il est d'abord présumé innocent. Il n'était ni de Kangaki pour police, dans la police territoriale. Pire, il y a Kipuanza. Il y a général Mania. Il y a général Mania. Pire, il y a Nani. Pire, il y a général Mania, il y a Kipuanza. Ah, ok. Il y a Kipuanza, Kangangai. Le dit que je suis poursuivi pour escroquerie et imputation dommageable, patati patata. Je suis arrivé là-bas à 7h, quand on a dit baboune, bah une milena, bah fumé, bon, je connais même ces couchards de problème. Ok, parce que maintenant, je vais te éviter. Mais, bah fumer sur la venue à l'église, bah on peut fumer sur la montouka. Chapeau. Donc, c'est quelque chose qui était déjà planifié, déjà ciblé, calibré pour Nako. De la sorte, en fait. Et quand on est arrivé là-bas, on fait sortir un dossier, un papier là. Monsieur Chénon, vous êtes poursuivi pour escroquerie, imputation dommageable, et toutes ces choses. Mais en fait, les plaignants, la personne qui m'a poursuivi pour cette escroquerie, et tout ça, a été. À mon été. Oh, vous êtes maquionniste, donnez-moi les preuves. Non, dans le but, il y a un maquioniste qui est venu dénoncer le manque de neige. Il n'y avait personne. Et je suis resté là de 7h à 11h. Et on est parti me libérer dehors. On m'a mis dans un catch là. Tout, Donc, combien de temps la prison m'a calaté? Non, je ne suis pas arrivé en prison. Voilà, à tous et à toutes, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. L'Isola Voyage Sengara, une bonne adresse, et Sengara crédibilité, et Sengara paix, fiabilité, mais aussi la rapidité. Alors, Yoba Skokyo Mbongo, Bakosio de gauche à droite, venez rapidement chez nous, agence de voyage, les corps pesants, on a pour soutenir Bino, pour vous assister dans vos démarches et voyages. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour cet entretien. Appelez-nous, nos adresses sont affichées, les numéros sont affichés et vous serez totalement bien servi. Merci beaucoup. Chut! Vous avez vu que vous avez sauvé tout le monde? Je n'ai pas aimé penser. Moi, j'ai dit que je suis allé au Canada échoué. Mon passion! Je suis allé au visa, je suis allé à l'aéroport. Je suis allé au Kiango. Je suis allé au Kiango. Guerre d'esprit, y'a nini tout ça, Kanango. Baruba! Moutoua tout n'a pas. Aria Kanyama Ekirati. Où y'a un amour? Un coup, une femme. Canada. Où ça la gagne? Un peuple périt faute de connaissance. Makelele et Tondi qui chassent Mbimba. Mais on va le logo pour le matin. Bisous tous les gars au bon matin. Tozali n'a croisement des avenirs Willery et Dodoma. Moi n'a pas qu'il est. A vous foutre combien pour mettre définir le terrain avant le Canada. Singleton, pour te bénir mon tout monde, ils en ont 7 000. Couple, ils en ont $15.
en famille, peu importe le nombre, et ça qu'a venu. Alors, on a informé que nous avons servi sur nous autres en amour, dans quatre agences, dans le corps, entre express, Canada Mutual Service, nous avons une inscription dans l'université à Ottawa, tout ça la paix inscription dans l'université de Moncton, tout ça la paix inscription dans l'université à Trois-Rivières. Dans mon équipe d'agence, Canada, il y a Sirici. Entrée Express Canada, Société Amity Service Licor. Gédéon Kayembe. Prophète, tu as vu ma vidéo, tu as vu ma vidéo sur les réseaux sociaux. Non, prophète, s'il vous plaît. Prophète, s'il vous plaît, pardon, prophète. Je vais te montrer les réseaux sociaux. 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 Prophète, s'il vous plaît, c'est mon lien de télévision, s'il vous plaît. Prophète, s'il vous plaît, Imagine, et je sais que les réseaux sociaux, la réputation des obéba, en tant que Moussa Nzambe, s'il Dieu, vous plaît. C'est Dieu qui a arrangé merci, merci beaucoup. C'est Dieu qui arrange la réputation. Mmh. Moi, je n'ai absolument rien à dire. Mmh. Ces gens-là seront poursuivis parce que j'ai d'abord été arrêté arbitrairement, sans mandat d'amener, sans plaignant, sans convocation. Mmh. En fait, non, Moussa Nzambe, Moko Yamouni, ni Namboka Oyo. À la bonté. Deuxièmement, il y a présomption d'innocence. Il est d'abord présumé innocent. Il n'était ni de Kangaki Yopo, police de la police territoriale. Pire, il y a qui pointe. Il y a général Mania. Il y a général Mania. Il y a Kangangai. Pire, il y a Nani. Pire, il y a général Mania. Il y a qui pointe. Ah, ok. Il y a qui pointe. Kangangai, le dit que je suis poursuivi pour escroquerie. Et imputation dommageable, patati patata. Je suis arrivé là-bas à 7h. Je connais même ces couchards de. Problème, Zagini, professeur, s'il vous plaît. Problème, mon Ibani. Il n'y a aucun dossier, il n'y a eu aucun plaignant. Ouais. Plaignant, moi, à la guité, na wa no ba la santé, mouta founinga pour les scroqueries, à tâter. Je scroque. Mais comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez est-ce que c'est normal? C'est qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un coup monté, un complot qui a été fait pour me ravir ma notoriété, ma popularité. Mais Dieu est bon, échoué parce que ces vidéos-là sont en train de circuler partout dans le monde. Ça prouve que Dieu nous a élevés, nous a placés quelque part. Dieu se jugera de tous ceux qui ont fait ça. Et même ma famille déjà a ouvert un dossier. On va poursuivre l'OPJ, on va poursuivre tout le monde, même la personne qui a filmé. Et toutes les plateformes virtuelles, Oyo, diffamées comme on a leur partagé. Mais aux opportunités aux joies dénoncer on a parce que yo babi yo escroqué ce qui peut soit disant aux un problème à papa ou pas on côté église Zalaga au vent des sagaba tout 23 ans dans quatre bureaux aux un moment au démenture information on a le retour on a les alokuta parce que si c'était vrai j'allais être en prison aujourd'hui au cachot. C'est faux. Cette police on va botter à $2,050. Non, bande la bisou l'ingabon RPT. Policier Wana. Au bakanga kiyo. Kanga ngai, baboto ngai $2,050. Au izaki na porte monnaie na ngai, baboto liango, ba saisir ango tu le zo ngaté. Et puis ba kenoko bo ngai côté ya Kwanza, tribunal mo ya Sosa. Ko bo nga wana, chance petit sur la ngai, si ça ka kota na mutuka, ils m'ont libéré en cours de route comme ça. Petit c'est un autre monde mon panzino. Et si on a gagné tout bien, il faut aller pour la macamouille. Et bon, oh là, c'est la main vers le gars, bah, soda, bah, voilà, petit frère, il y a un gagné pour assimiler le porte-monnaie. D'autant que quand on a la voiture, on a un contact à la voiture, on a un bongo, on a un porte-monnaie, on a un bongo. Il y a un gagné qui est. Maman, là, je suis ma maman église, mon gazali. Maman à l'église, il est chargé de la logique à Bongo, sa église. Mon gazali, je suis en retraite. De Bakangi, bah, tout bongo, avec 100 mandats à mener, on a. Vous savez que vous avez vu là. Au sein de l'autre côté. De l'autre côté. Il y a un problème dans mon côté. Les équipes Libosa plaignantaient. Il n'y a pas eu de confrontation. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai été confronté avec personne. Abimé Senga plaignant en athé, moutoisa thé. Vraiment, c'est un peu ça. Attends, Moussa Nzambe, le bonheur Zanina Moma. Pourquoi Moussa Nzambe, justice à l'État et ça là, Yamokili. Toutes ces bandes de policiers là et tous ces OPJ là qui ont comploté pour.
mi-milliers, mes salaires, bas à la poursuite. Parce que l'auditorat militaire sera déjà saisi. Comment nous sommes là, ma belle? Non, mon salanza, mais parce que les gens ne connaissent pas. Voilà, les gens ne connaissent pas que même Jésus a été arrêté. C'est pas dit, si on vous arrête, vous êtes forcément une mauvaise personne. La loi doit faire son travail, il doit vérifier. Lorsqu'on a vérifié qu'il n'y a rien, il n'y a pas un dossier, j'ai été libéré. Sauf que la procédure a été vissée. Il y a une vis de procédure, il n'y a pas une convocation, il n'y a pas un mandat d'amener, ni un mandat d'arrêt, il y a une vis de procédure. Et deuxièmement, ils ont diffamé ma personne. Moi, je suis un homme public quand même. Quoi, filmer voilà un vulgaire mort. Comme un vulgaire. Et puis. Partager dans quelque chose. Et puis, les commentaires que les policiers ont de faire. Mota la prophète à l'Okuta. Oh, il y a bon. Il y a la prophète à l'Okuta. Et tout qu'on sort. Et puis, dans la constitution, est-ce qu'il prévoit qu'il y a la prophète à l'Okuta? Exact. Donc, ce sont des choses. Oh, il y a une vis de procédure. Et retourner mal contre Baron. Et vraiment, l'État, il faut savoir ça. Nous avons la justice. L'État paie le quoi tout ça. Le nouveau ministre, Moutamba. Maître Kossa Moutamba. Maître Kossa Moutamba. Azon Gabloura à Bongoté. Arrestation arbitraire. Azon Gabloura à Bongoté. Tout ça, on a besoin de justice. C'est ça, les mains. Parce que c'est mon nom qui a été diffamé. Moi, je suis un homme public. On ne peut pas diffamer ma personne comme ça gratuitement. Et puis, les gens qui sont derrière ces dossiers-là doivent être exposés. Moutoua Founda Gengaï, Babi Misaïe, plaignant ou pas Babi Nes Abima. Et toutes ces choses-là, on doit tirer ça au clair, on ne peut pas laisser ça seulement comme ça et tout. Et puis, toutes les plateformes virtuelles, il y a les réseaux sociaux, là, c'est ça qui va interpeller, on va arrêter tout le monde. Parce que c'est une fausse image, parce qu'on a aussi la CESAC. On a publié une information vraie. On n'a pas publié une information fausse pour se faire des vues ou avoir la notoriété ou l'audience. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on est en train de poursuivre ça. Et tous réseaux sociaux, toute plateforme virtuelle, au monde, chez l'eau pour notre vidéo, on est sûrement poursuivi par la CESAC. Parce qu'on est vraiment déterminé, on ne peut pas bafouer mon nom et ma réputation comme ça. Merci beaucoup, prophète Isadior. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Merci pour la confiance. Merci pour votre attention particulière, Jérémy Luemba, les Renards du Désert. Et devant vous, merci à toute la communauté Mimindoumé depuis Moshing là-bas, les célèbres Dienzundu à Washington, Yalu Zombala de Madrid, le vieux Justin Panzou, le grand Moyombe à Londres. Et pourquoi pas remercier le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais également partout en France. Mesdames et messieurs, nous sommes là chez vous, comme vous le constatez. Je suis avec un monsieur, un prophète, un serviteur de Dieu, que vous connaissez très bien, apôtre Gédéon Kayembe, autrement appelé AGK. Vous avez vu ma vidéo dernièrement, est circulé sur les réseaux sociaux. L'homme de Dieu a été arrêté, humilié, dénigré par les agents de sécurité à Mbokanabiso, la police et consorts, Bakangaki, le roi Moïbi, le roi la malfaiteur, le roi la criminelle. Alors, cette image a choqué beaucoup de chrétiens. Nous sommes là avec lui, toujours par hasard, bon, tu as déjà la première vidéo, Nengaza, qu'on s'est déplacé. Maintenant, Kaye, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Lemba. Alors, toujours quand même, cette fois-ci, calmement. Bonne santé d'abord. Oui, en forme, on est bien. Moral est bien. Trop bien. Alors, AGK, aux amoutours, Ibani, Moussanza Mounena, Chassawa, Ibani, Tomonio Bakangio, les gens ont beaucoup commenté. Baboza Makioniste, ma fausse prophétie, Skoragi Mbongo. Bon, ils ont dit non, il faut pas que vous avez déjà vidéo, Ningoza, Nakatia, Moutou, Kanaba, policier. En fait. Bon, je ne suis pas venu me justifier ici, mais je suis venu parler d'un fait qui s'est passé. Un bon mardi, dans une église, dans mon lit, tout le monde est très bizarre, tout le monde non identifié. Il faut déplacer Sikoyo, tout le Kangayo, parce que quel est le motif, il y a beaucoup de Kanganga, problème, il y a fait des années. Tant que nous avons un mouvement, je suis un petit frère.
Oh, tout le monde a tenu à verre. Tout le monde a tenu à verre, c'est mon petit frère. De la paix ici. Et croyons qu'il y a Tikali. Bon, parce qu'aujourd'hui, vous avez à Kinshasa, il y a des choses qui se font. Il y a, vous voyez des policiers, mais ça, criminels, qu'on levait bien, en fait. Les petits frères, Or, il a porté monnaie à Mbongo. Tant qu'on a eu sa porté monnaie à Mbongo, il a eu un téléphone en contact, ils ont vu. Donc, lui, on l'a arrêté parce que je lui avais remis le porté monnaie d'argent. Ma monnaie est là, Rizawa. Là, Rizawa. Il dit, Kangaki, petit frère, il y a une maman de l'église, elle est venue. Mais quand on a passé, on a vu ça à Salinini. Maman, il y a un sou qui boyait, il y a un voilette, il y a un peu de temps. Il y a maman Moussou, il y a un tambour, il y a un chargeur logistique, il y a un peu de temps. Parce que maintenant, il y a un peu de temps. Ma fumée est venue à l'église. Par contre, on peut fumer sur la montouka. Dans le chapeau, dans le chapeau. Donc, c'est quelque chose qui était déjà planifié, déjà basé, ciblé, calibré pour qu'on de la sorte, en fait. Et quand on est arrivé là-bas, on fait sortir un dossier, un papier là. Monsieur Chénon, vous êtes poursuivi pour escroquerie, imputation dommageable, escroquerie, imputation dommageable et toutes ces choses. Mais en fait, les plaignants. La personne qui m'a poursuivi pour cette escroquerie et tout ça, elle a été. Au moniété. À moniété. Oh, vous êtes maquioniste, donnez-moi les preuves. Là, dans le but, il y a un maquioniste. Qui est venu dénoncer le manque de. Il n'y avait personne. Et je suis resté là de 7h à 11h. Et on est parti me libérer dehors. On m'a mis dans un catch là, tout. Donc, comment est-ce que la prison m'a calaté? Non, je ne suis pas arrivé en prison. Je suis juste dans le bureau à l'OPJ. Et puis, l'OPJ m'a entendu. Il n'y avait pas les plaignants. Ils m'ont libéré. Mais bon, on est basé qui basé cité. Voilà. Et puis, surpris, à 15h, les gens m'appelaient de partout. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la vidéo a été partagée. Et je connais même le policier qui m'avait filmé dans la voiture. Parce que je m'ai filmé quand on est venu à l'église. Les papas là, je pense que vidéo n'a pas été. Mais vidéo est bimée, vidéo est Yamutuka. Yamutuka. Yamutuka, il y a Kanginga, il y a Krakawana, il y a commentaires et tout comme ça. Voilà. Et puis forcément, ce n'est pas tout le monde qu'on arrête qui est vraiment malfaiteur ou escroc. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a présomption d'innocent. D'abord, Moutso Bakangi, il a présumé innocent. Il a présumé innocent, non malfaiteur, il y a présomption d'innocence. Et il n'est pas aussi permis, peu importe le fait. De filmer quelqu'un qui est présumé innocent. Dans le monde, on a ça là. Et l'autre, on a entendu, mais filmer dans ma partenaire dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très mal. Ça fait trop mal dans la famille, ça fait trop mal dans l'église corps du Christ. Et je remercie beaucoup des pasteurs parce qu'il y a eu des pasteurs qui sont mobilisés. Pour ça, on a eu un premier réunion. Je ne savais même pas, on m'a appelé. Non, c'est sa première réunion, ça m'a dit samedi passé. Les Lopelchi, j'ai une grande réunion. Une réunion pour vous défendre. Pour me défendre. Pour redéfendre cause, il y a Jésus Christ, homme de Dieu, il y a quand même quelqu'un d'important, il y a Moutamouki était, bah, humilié de la sorte, en fait. C'est très méchant. Donc, yo, tu te reproches de rien, monsieur. Au sein de l'examen de conscience. Monsieur le journaliste, oui. On se reproche de quelque chose qu'on connaît, en fait. Moi, je suis stupéfait, je suis étonné. Vous voyez, même quand vous êtes en train de formuler des questions, étant journaliste qui a l'éthique, vous devez savoir que ce sont des choses falsifiées, fomentées, montées de toutes pièces. Et il y a un homme de Dieu aussi, je regrette parce que tant que vous avez un frère qui vous faisait le même travail, vous ne regrettez jamais que j'avais maudit ses frères, je lui avais maudit et on m'envoie une vidéo qu'on l'a arrêté parce que c'est un faux prophète et tout comme ça. C'est grave. C'est qui comme ça? Je n'ai pas besoin même de citer le nom de. Non, Loba, il t'a maudit. Vous allez voir le vidéo, vous allez comprendre c'est qui la personne. C'est que vous avez un conflit, moi, ébélé. Non, pas de guerre d'esprit. Non, c'est là juste la notoriété. Tout ça, là, Moussala, on a mis bien. Moi, Moussala, on a mis bien. Tu m'as mis à côté ébélé, magicien, basé ébélé. Bando qui basé belé, bah toi Christ basé belé. Lorsqu'on avait arrêté Jésus, on a dit que c'est Beelzeboul, un charlatan, tout ça, tout ça. Mais sa gloire a été
démarqué. Netio Boulanina, moi je ne vous ai pas demandé un interview. Vous êtes venu parce que vous êtes choqué, monsieur le journaliste, comment cet homme de Dieu n'a laissé qu'un équilibre en télévision et tout qu'on sort, va canger de la sorte. Et Naboya qui intervient, nous, ça fait combien de temps Naboya? Moi, j'étais en prière. Et quand le Saint-Esprit a permis, je viens maintenant dénoncer cette malice et cette cabale qui a été faite sur ma personne pour me ravir cette notoriété que Dieu nous a donnée et cette popularité, au fait. Alors, aux autres pasteurs, aux autres vrais, dans la commune Ngaba. On a besoin qui bouger, c'est voilà, vrai, tout le monde est tout Kinshasa. Et puis donc, on a désavoué ma libération d'ailleurs, ma zongi, toute l'avenue de l'église, là, maman, Bété Milolo, Sifla, c'est comme si une fête, parce que tout le monde était choqué, parce que, disons-nous, ce que vous voyez dans la lettre, Maradona, na venu na Bino, ça fait la fierté que nous sommes avec Maradona, même Messi. Donc moi, je suis quand même quelqu'un qui est connu, et l'église est connue, et sa célébrité, en fait, bah, tu as milieu. Bah, il y a pasta à Tombola Mabele. Vous voyez, combo à pasta Kenda, quand même Mabele dans le quartier, et Yébani, parce que cet homme de Dieu qui est célèbre, que Dieu a élevé à ça. Bah, ils étaient choqués, forcément. Parce que je suis comme on a, bah, il y a et tout. Il y avait maintenant des questionnements. Il y a commenté, bah, il y a commenté, bah, tu es monté, ça a bien. Mais quand je suis venu, dans mon aki, dans Zongi, dans mon aki, c'est ma maman, il y a ma jeune, c'était vraiment bien. J'étais content parce que pasteur, on avait vraiment mal. Mais tu commissions à mes pots, aux a innocents, bah, au côté, bah, au long côté. Alors, les gens disent que au côté de la ligne, nous avons des nilés, si, hein. Bah, tout. Au dénilé, ça salani. Hein? À salanetini. Quand il peut filmer, il peut, ma soloka, ma kangiye. Oh, mais monsieur, est-ce que Jésus-Christ, oh, ton nimila, Jésus-Christ, oh, yosamela, oh, kimba, ou animela, kimba, ou anima, Jésus-Christ, oh, tous les grands, ou anima, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été humilié, frappé, bah, tu sais, qu'il y a ce moutaka là. Mais le Seigneur a honoré son nom, il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, Dieu peut passer par certaines choses pour seulement honorer son serviteur. L'humiliation, après l'humiliation, il y a l'honneur, l'élévation. Vraiment, c'est un peu ça. Donc, Denis Lé, c'est un serviteur de Dieu qu'on respecte, qui est connu. Oyo Batubata, la Kaye, Lélo et Bélé. Et puis, Denis Sazamoutou, Oyo, Azamoussa, Lanzam, Boissali, Marambe, Bélé, Namboka. Donc, grandeur, Naye, et ça peut être déterminé par rapport à l'épreuve. Parce que l'épreuve de quelqu'un est déterminée par la grandeur de quelqu'un est déterminée par rapport aux épreuves. Parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses. Moni commentaire, Lélo, les réseaux sociaux, chacun veut émettre son commentaire, ils veulent critiquer. N'a pas ennemi. Va profiter. Va profiter et à se faire de buzz, au fait. À se faire de buzz, à ternir l'image de quelqu'un qui est père de famille, qui est pasteur d'une grande communauté, qui a beaucoup d'enfants. Parce que l'apôtre Gédéon Kayembe, c'est quelqu'un, quand même, qui a fait l'œuvre de Dieu, qui n'a pas commencé seulement maintenant. Nous ne sommes pas des enfants de cette pluie. En fait, nous sommes des gens qui ont commencé, même avant le média, on a commencé. J'ai 22 ans depuis que j'ai commencé. Nous sommes là, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons une image un peu humiliante, scandaleuse, des Isamalamouté. Vraiment, nous. Alors, mais heureusement, ils ont un peu moutakalisation, ils ont sextapté, mais ils ont des makambo. Bah collé, bah lobby, escroquerie, maquillage, consort. Mais je pense que l'image, vidéo, on a des appels vidéo interpellatrice parce qu'il faut interpeller, bah te belé. Bah passer belé, bah, dans mon avis, bah on dirait, et ça, bah on peut moi Sony, bah m'sou, bah lobby, et aussi d'autres chrétiens, bah lobby, ah, ces messieurs-là, on les connaît à la télévision. Et c'est pas un vrai, m'sou, bah bien, ça vrai, m'sou, bah bien, ça innocent. Donc, au Moni, il y avait beaucoup de couleurs, il y avait un commentaire. Monsieur Jérémy, je vous dirais une chose. L'unanimité est impossible dans la vie. Oui. Ceux qui nous détestent sont peu nombreux que ceux qui nous aiment. Ceux qui nous aiment sont nombreux. Ceux qui cherchent à nous découvrir sont nombreux. Moi, je dirais que cette vidéo a fait que les gens nous connaissent, au fait. Au Moni. Enfin, le mal qu'ils ont voulu faire contre moi, Dieu l'a tourné en bien. Il y a des gens qui m'appellent de partout. On vous connaît, même si on ne vous appelle pas, on vous suit de partout. Nous sommes choqués de voir cette image. Et on connaît, c'est faux. J'ai même une audio ici que je veux que vous écoutez. C'est là, il y a une maman qui venait même de Lubumbashi. Elle est venue à Kinshasa expressément. Tant à mon avis vidéo, oh yo, vraiment, je la bénis beaucoup. Je la bénis beaucoup. Il y a même une personne aussi de l'Afrique du Sud qui nous a fait la voice. Voilà. Voilà, il y a cette voice ici. Il y a cette voice ici. Attends. Moni, je vous montre la voice de la maman, la servante de Dieu, voilà. Puis ça, là, on a une voice en vous. Oui, papa, bonjour, papa. J'espère vous allez bien. Oui, je suis la servante de l'Éternel aussi. Dans mon équipe vidéo, je suis la servante de l'Éternel aussi. Je suis la servante de l'Éternel aussi. Je suis la servante de l'Éternel aussi.
Tout ça, on a beaucoup à m'aider, à respecter la basse, à l'anzambité, à okilara mawate, à comprendre rapidement. Mais dans la monarchie, la vie Saint-Esprit, tous les habitants sont à l'Okuta. Ils ont bien fabriqué, bien monté, bien milliers de boyés, bien samoussio, bien monzo, bien habité, bien tombé là. Vraiment, la sunga qui est en prière, la bonne qui peut pour nous. Na bonde ya kipona yo papa, merci. Na uti Lubumbashi, siko na zana kishasa hao. Ya, merci papa, merci mingi. Donc vous comprenez? Mais l'homme de Dieu, est-ce que vous avez dit que Vido ne tombe na, na période de mort est compliquée? Parce que l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, a lancé combat moko ya ko fermer l'église. Kokanga l'église, a lobi na commune moko, jamais on peut avoir deux, trois églises na superficie à 500 mètres au carré. Sur le lobby, voilà, t'as vu passer à il y a un autre audio de quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Écoutez. Boni. Ah, vidéo à pasteur, j'ai déjà circulé quand ma casse na TikTok. Hein. Voilà ça, tout de façon, babou, mangoko, ils ont réputation. Ils ont réputation. Ils ont la batte mingi, babang, la bangoko, moulanza, mbeke. Et là, on a battu une bataille pour la mort, parce qu'ils sont ignorants. Ils appellent les chrétiens, ils sont ensemble, mais ils sont bons à te. Donc, on a battu une bataille pour la mort. Ils sont amis belles pour la mort. Ils sont amis belles pour la mort. Après, le jugement est à Panzambi, ma belle. Pour ça, de toute façon, on va supprimer, on va supprimer ma vidéo. Oh, c'est pas bien comme ça. Pour les serviteurs de Dieu, en tout cas, c'est la honte. Malgré ça, on m'a cambalé au couta, mais réputation. Vous comprenez que M. Jérémy Luemba, c'est quelque chose qui a été monté, c'est un cabal pour ternir juste mon image. Mais est-ce que bana TikTok bauta la yo? Non, moi je dirais bana TikTok. Moi je dirais que là ben on a TikTok et il y a même une vidéo que qui a été fait ma bébé salaï pour Nabiso. Ils avaient bon ami en bien au fait. Ce sont des choses montées. Ici aujourd'hui au Congo, les gens peuvent faire quelque chose monter pour pas déstabiliser monde. Mais il y a d'autres personnes qui combattent à Bangote. Il y a d'autres gens qui ont l'alliance vraie avec Dieu. Peut-être aujourd'hui vous le voyez comme ça, mais n'enga banana nzambe parcours nzambe to yebite. On touche pas ces gens-là. Il y a certaines personnes qu'on touche pas. Il y a certaines personnes qu'on touche pas par rapport à leur alliance avec Dieu. Moi je dirais à tout le monde qui ont regardez la vidéo dans les réseaux sociaux. Faites vraiment merci pour vos prières. Merci parce que vous avez montré l'amour. Merci pour l'amour que vous avez montré. Ce sont des choses fausses. Je suis déjà libéré. Le même jour, j'étais déjà libéré. Mais tel est le mot, c'est rapide. Bah, kangi kraka vidéo, bah, la mort, pou! Omoni. Et puis, bah, tikinga. Voilà. Donc, c'est le mot, mais préparé. T'auras kangaé, t'auras tché, bah, kraka, t'auras filmé, t'auras parti, t'auras sans mousse, t'auras kitsaé. Je vais te montrer une vidéo ici. Ça va te choquer. Un homme de Dieu connu dans la ville. Mais, en ça, là, il a la prestation, mon corps. Il est en train de dire, il m'a maudit, patati patata. Yo ne kota la vidéo wana, au kota la vidéo wana, mais kola xangote, oyebi mutango, ta la vidéo oyo. Vous savez, je ne sais pas quelle année, je suis allé prêcher quelque part. Le premier jour que j'ai prêché, je devais prêcher trois jours. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es venu ici pour libérer tous ces peuples. Et tu reviendras plus le deuxième jour et le troisième jour. Mais yo, et je suis sorti, je suis parti. Mais la Bible. Et les pasteurs de cette église-là, après mon départ, presque après plus de 70 ou 80% des gens ont fui l'église. Et salut, bah. Et ils commençaient à dire aux gens, ah, bah, tu vois ce prophète-là. Mon prophète, il est venu jeter ses fétiches ici pour que les gens fuient mon église. Ah, voilà pourquoi aujourd'hui le diable fait susciter ces faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, pour commencer maintenant à amener le mensonge au nom de Dieu. Et je ne l'ai pas suivi. Il est passé même dans les télévisions. Aujourd'hui seulement en venant, on a envoyé une vidéo. On l'a mis des cracas avec d'autres vieilles femmes. Ça veut dire qu'ils donnent de l'argent, ils utilisent ces vieilles femmes pour comploter des faux miracles, des faux prophéties. On lui a mis des menottes. Et le Saint-Esprit
Parce que ces jours-là, je me demandais, Seigneur, dans la fiche, il y a 3 jours. Mais quand j'ai commencé à prêcher, tu me dis, la mission que je t'avais envoyée, tu l'as déjà fait. Tu ne vas plus continuer. Est-ce que vous comprenez que ce sont des imputations graves? C'est au moment de la vidéo. Et ça, maman Moulimou, il y a une église na Yoatea. Oui. La campagne il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il y a quand le premier jour, dans ma vie, c'est que non, ta mission est déjà accomplie. Tu es venu libérer les gens. Libérer les gens. Il est venu libérer les gens. Le Saint-Esprit lui a dit. Et puis, quand on m'a arrêté, tu vois que ce sont des choses. Dans mon vidéo, là, il y a le livre, voilà. Voilà. C'est un faux. Un faux. Donc, il y a qualifié maintenant ma curiosité. A qualifié, tu vois, c'est une diffamation. Mais c'est ça, Molimoté. Molimoté. Parce que l'État, il n'y a pas Molimoté. L'État, il n'y a pas Molimoté. C'est la crédibilité, la personnalité de quelqu'un. Qui ont diffamé ça, le quoi, il y a un faux journaliste. Hein? Je dois te montrer des preuves. Ok, ma maman, ça, petit frère, Nangaï, Ayaki, pour qu'il y ait une chaîne, la télévision. Maman, on a un olive. Il y a là, on a une église, on a une église. Nous sommes la sœur d'Oriane. Avant d'avoir une église, pour avoir une église, ma prière, Nangaï. Donc, il y a, tu vois, tout ce qu'il est en train de dire là, ce sont des spéculations. Comment un homme de Dieu de son niveau, il peut vivre avec des spéculations? Mais c'est un grand prophète. Non. Monsieur Jérémy Luemba. Bien vivant, les églises Mouné. Monsieur Jérémy Luemba, on ne peut pas vivre par des spéculations. Moni, moi je dois vérifier, tamiser l'information. Parce que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Moni, n'est pas forcément vrai. Donc on doit analyser. Je suis choqué à entendre ces choses, na mosa la nzambe ya dimanche le rôle aïe. Donc prophète Néma. Je ne cite pas les noms des gens ici. Je connais même pas. Donc choqué. La roman a vraiment et le roman a bon. Non, c'est pas Néma Kangiyo. Non, il est content et pour prouver que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il y a on a papa Sonic Afuta, il y a papa Walesa, il y a papa Espérance Bakadi, il y a tous ces papas là, il y a papa Walo Mutenga, ba pasteur Aminé ne basé belé. Obeng Saguna. Et ça, il y a le papa, notre président, évêque Jiba Mampia, il y a papa pasteur Bazé Bélo, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Parce qu'on est dans le corps du Christ, dans l'unité, il y a divergence, mais tout le temps, on a le même esprit, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu ça, ça. Moi, tout le monde m'a appelé, mais on a entendu ça, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, on a entendu ça, ça. Mais je suis choqué. Entrer, d'étaler ma personne comme ça sur peut-être une conférence, un séminaire, prêcher la parole de Dieu, prêcher les révélations, prêcher le Saint-Esprit, prêcher la foi, montre au pasteur comment il peut réussir, comment il peut faire des soins dans le ministère, mais ternir l'image de quelqu'un pour se faire vendre que tu es vrai, ça c'est faux, parce qu'on a, aussi des choses qu'on écoute sur. Mais est-ce qu'il y en a même vous en avez guerre? Non, ça, pas pour moi, je ne connais pas. Vous en avez guerre en esprit? Je ne connais pas, monsieur. Mais dans l'église, nous avons souté. Mais est-ce que moi j'ai besoin que quelqu'un. À boxe, eux. Est-ce que moi j'ai besoin de quelqu'un? Ma papa m'a tout mokalo, ma bazati na mboka, ma papa esprit m'a bazati na mboka. Bon, comment y a pas na yobo? Non, ne mentons pas sur le Saint-Esprit, papa. To yebi na mboka, ma mankionis baza. N'a pas tout ce que ma véritable, ma mso, ma grand mankionis, c'est ce qu'on y a costume. Vous comprenez, il y a costume, il y a costume dans le français, mon réseau couvrir. Peu l'eau, le biwan, ils a fort, hein? Tu vois, vous voyez la gravité de la chose. Moni, on n'est pas là pour rester certaines personnes. AGK est à sa saison. Je suis le prophète. Lélo, dont les choses marchent. Oh, il y a tamola. Oh, il y a des gens qui mais vraiment, na yebana makasi. Mais c'est le moment pour au sein de ma pasteur, pardon. T'es dans le sein de ma pasteur, pardon, pour la salle de mon inipo. Bah, tout ne faut pas s'en pardon. Pasteur, moi, j'ai un problème dans la tête. Et ça, peut-être, bah, complicité, moi, bah, kabala, mike. T'es né au baby si image en Zambie. Image en Zambie, baby. Au sein de ma baby si, pardon. Bah, baby si, une image à Jésus-Christ. En humiliant un homme de Dieu qui est innocent. Na yebana l'oroté. Boukanga la salle de l'oroté. 11h, bousinga mbongo. Kaka pour ternir, papa. Comment on peut demander les gens qui veulent ternir? L'image de Jésus-Christ, hein? Pardon. Moni. Pasteur, moi, c'est un pardon. Non, bah, pasteur, toi, la réunion, la bango. Merci à tous mes frères. Merci à tous mes frères, hommes de Dieu, qui ont fait des réunions, qui ont fait des ateliers pour savoir comment on peut banaliser ces vidéos-là. Bah, groupe, bah, pasteur, papa. Merci, pasteur, pasteur, pasteur. Les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo, ma papa. Grand merci à ma papa, à Bichon Molimo, tous nos papas. Je m'appelle, ou je suis inquiété.
Merci à l'Église Corps du Christ. Merci à RSC. Merci à tous les prophètes du Congo. La Rosité, ma prophète Papekila, ma prophète Malalaise, ma prophète Tia. Tous les prophètes qui passent à la télé, qui bloquent pour tout bon vidéo. C'est-à-dire, tout bon vidéo. Parce que ma groupe, ma pasteur, ils est belé. Si on retient une vidéo, tu télé mais merci beaucoup. Est-ce que ma pasteur, c'est un pardon. Déjà, il y a un bloc. Tu reconnais comment on a un congé à RSC. Déjà, il y a un manga calamité, pas après évêque président. L'infraction individuelle, il y a un coup de ça va passer. Non, mais est-ce que tu as passé pour un quand le pasteur, il y a une vidéo en aïe. Vidéo en aïe. Tu sais que c'est grave. C'est grave. Donc, l'État est mis Saint-Esprit. L'État, on a pas fait. Et puis, on a cité comment mon temps a été, mais les faits. Tant que le pasteur, on a tué le craca, na Congo, Mobimba, Ezanga, na tant oui. Quand vous parlez, vous m'attaquez indirectement. Donc vous parlez à moi. Vous parlez à moi quand vous ne citez pas les noms. Mais à l'obique église de Kaouki. Oh papa, il y a l'église. Après l'oko église de Batoubakimi. Non, il y a à l'obique qui est en Wayaka. Mais est-ce qu'actuellement, est-ce que Batoubakimi. Là, la chose vidéo, c'est la chose vidéo, moi, il y a culte dimanche à l'éloi. Batoubaye sous. Eh! Batoubaye Bayara, Bayara, papa. Mais tant que l'oko en Zambesa pur, papa. Tant que l'Oganzambe est pur et original, donc tu auras toujours Batoubaola na l'Oganzambe. Et l'Oganzambe, ce que Zali, tu vois, ce sont les vidéos il y a dimanche, je vais vous montrer. Ma vidéo à culte à dimanche, excusez monsieur le journaliste, c'est là ma vidéo à culte à dimanche. Batoubaye Pébélé. Eh, papa, maintenant, je vais vous dire, mon ami, l'église est Koufi. Ah, on peut faire la vidéo. Où est la vidéo il y a dimanche? Au culte à dimanche, j'étais surpris. Il y a comment on a full Oyo, qui dimanche, la culte. Comment on dit Oyo, et là, service, il y a dimanche, Moni. T'as la batte. Il y a comment on a full, monsieur Jérémy Luemba. T'as la full, au moment on a battu les qui dimanche. C'est la vérité. Au moins, t'es que ma vidéo, ils ont impacté. T'as la vidéo, t'as mon takala, t'as la porno, y'a pasteur. Hein? Mais ça l'impact était que vidéo, et ça c'est l'onction frère. Quand l'onction est vraie, le diable mettra des choses en marche pour t'humilier, te ridiculiser. Bah quand il est sous poani, faut pas arrêter missionnaire. Mais c'est spéculation, c'est pourquoi. Batba ni mangate, batba tourner regard musika, ba monanga mukbabe, ça dit pour mission n'a accomplité. OK, le mal qu'ils ont fait contre moi, le Seigneur l'a transformé en bien. Aujourd'hui, il y a la visibilité. Aujourd'hui, les gens m'appellent de partout. Aujourd'hui, mon image est partout dans le monde. Aujourd'hui, les gens qui compatissent, les gens au babito lukasu nzambe, autre maman na Lubumbashi. Mbote bandie ko ezanga maman mika mosungi ya population. Na elibino promotion, il y a réduction à 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Il y a traitement naturel pe cosmétique. Pour na problème ya santé, ndeko za problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerf sciatique, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi. Bandeko boya ba solution ezali ba kisi ezali ebele eza très efficace to buki ba prix na 30% côté cosmétique toza ba produit na biso tel que Thémétis toza na Thémétis toza na crème de beauté mika mafuta ya kopakola toza na savon na biso gommant o ezo traité eza contre ba tache ba acné ba bouton pe ba vergeture. Tous allés na savon noir na biso, ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre les mouilles, ils sont très efficaces. Tous allés na crème de visage na biso, ils ont embelli les longues, ils ont rendre les longues lisses et très propre, très agréable. Tous allés na huile d'ananas, solution angoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Tous allés na lotion tonique pour na ba ta tampon, tous allés na lotion tonique. On a battu au bazar na tampon té mais pour les abîmer, tous allés na gommage fait à base de café, ils ont rendre les longues propres, ils ont longu la bas bouton, ni on surtout ils ont qu'aider na bas graisse. Tous allés na pommade à souki pe huile à souki, ils allés très efficace. On a probablement libandi, souki cola kau bien té, bas produit angoyo est très naturel, ils ont bongi sa bas très naturel car on est maman lobi. Tous allés na pommade anti sola mapeta, yes. Tous allés na problème solo au dégage à cause transpirer mingi solution angoyo est
pommade anti-solama pika. Bobo sanate, toza na promotion, réduction à 30% na ba produit na biso nyon sotou. Kote wana to buki na biso. Kote yo toza na ba kis na biso pe ya poussière, oui. Ya bo koko. Nde kwe siko zale za musika, ba produit ya maezo ya te, ba kis ya poussière ya ngoyo, oko mela, na kaya maladi nyon sotou o mamami katanga ki awa, oko zwa solution na yo. Benga biso na plus 243 89 98 27 674. Adresse na biso toza na commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga baso zo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Ba kisi yango eye eza très efficace. Boya ebele, boya ebele, boko zala desite. To buki ba pri, ngai 7e, naza awa. Ngai 7e baga, naza awa. Bye. La pasteur Rika Songo, merci à tous et à toutes, boza ebele. Nous sommes là, clin d'œil spécial à mon conseiller, Papa Philippe Kabouikou, à Fribourg depuis Switzerland. Maître Sizasukama, puissance amicale. Monsieur Jérémy, s'il vous plaît. Oui, nous sommes arrivés à la fin. Hein? Oui, mais s'il vous plaît. Oui. Toko, c'est la racine d'esprit Makambouté. Toko, c'est la racine d'esprit Makambouté. On connaît ce que vous faites. Vous tuez les gens. Vous envoyez les gens enlever les gens. Vous envoyez les gens faire des salir des. On connaît tout ce que vous faites là. On connaît tout ce que vous faites là. Et justice en Zambé au sala. Il y a Mokilipe au sala. Parce qu'on connaît. On connaît. Comment tu peux acclamer un frère qui est dans la souffrance, dans l'humiliation, vous acclamez, vous disiez le Saint-Esprit. On connaît tout ce que vous faites. On connaît tout ce que vous faites là. Et même les gens qui vous regardent partout dans le monde connaissent que vous êtes derrière beaucoup de choses, derrière les vies des gens, vous tuez les gens, vous avez beaucoup de mauvaises choses que vous faites. Arrêtez de vouloir vendre votre image avec mon nom. Arrêtez cela. Moi, je m'appelle Apôtre de Okaembe. Je suis serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. La balle au Saint-Lanzambe depuis âge à 8 ans, na 13 ans, na sekwi et na zone au Saint-Lanzambe. Yango bitumbalangai, eza maka, c'est pour Nazareth les locaux à communiquer. J'ai cette onction qui est vraie et véritable. Na pèse bandeau, na nation, na poto, bandeau, na tu es à Belgique. Cette grande famille à Belgique, pardon, à l'équilibre à la télévision. Les gens étaient scandalisés, papa. Qu'est-ce que c'est pas? Yo, moi, qui en Afrique du Sud, dans le Bumbashi, a dit, quelque part, dans ce pays-là, quelque part, dans Mawa, et tombe sur une autorité. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, les amis, plus 243 83 68 70 333. Plus 243 83 68 70 333. Yango déjà affiché au bas de l'écran. Merci, monsieur Chéri. Alors, merci. Merci à Mimindoumé depuis Mouching là-bas en Allemagne, les célèbres Dien Zundu à Washington. Et encore une fois, Roderick Malong aux États-Unis. Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Yalu Zombala de Madrid, Gérard Saddam à Manchester. Vous êtes vraiment ébélé. Vous nous regardez au quotidien sur votre chaîne. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. C'était l'apôtre Gédéon Kayembe. AGK. AGK. En fait, le. Botaliba réalité, l'homme s'est exprimé, il s'est défendu. Après ces images qui ont circulé sur les nets. Merci à tout le monde. On est ensemble. Appelez et commentez. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Jérémy.